Et bonjour tout le monde, Soximozo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, on va faire grandir Nils. Et oui, parce que vous le savez, Nils il va avoir 10 ans il me semble. Et bah, il fait toujours la même taille que Diego qui est né il y a pas très longtemps que ça, il y a moins d'un an. Et du coup ça me fait assez rire parce qu'ils ont la même taille. Mais bon, Nils il a pas grandi depuis le début des roleplays. Et c'est quand même un peu bizarre. Donc on va aller voir le médecin aujourd'hui et on va essayer de voir s'il peut pas revenir à sa taille normale quand on a 10 ans tout simplement. Les amis, ça va être une super vidéo, un peu plus détente que les dernières. On est allé chercher Diego qui a été capturé et tout. Et mais qu'est-ce que... Pourquoi j'entends un bruit d'avion là? C'est quoi ça? Attendez, je vois... Mais quoi? Il y a un avion, on se fait attaquer les amis. Les amis, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Je compte sur vous pour mettre le maximum de pouces bleus à cette vidéo. Là, à chaque fois je vous donne une limite et tout. Là, on met pas de limite les amis. On met zéro limite. Et ça, vous savez quoi? Ça va être le mot du jour en commentaire à mettre. Vous mettez... Waouh! Mais purée, mais c'est un assassin lui. Regardez, mais wesh. Et là vous mettez zéro limite en commentaire. Voilà, et vous oubliez pas de vous abonner. C'est hyper important les amis. Le bouton rouge juste en dessous de la vidéo, c'est pour s'abonner, c'est gratuit. La plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc je vous invite à le faire. C'est ce bouton là. Il y a aussi dans la description la boutique de vêtements pour acheter des vêtements à l'effigie de la chaîne YouTube avec les personnages. Regardez, vous pouvez acheter tout type de trucs. Des stickers, des coussins, des mugs, des serviettes, des chaussettes, vous pouvez tout acheter. Il y a plus de 500 produits sur la boutique à l'effigie de tous les personnages qu'il y a dans le roleplay. Donc je vous invite à aller voir quel produit vous plairait, à sélectionner dans les catégories si vous voulez des mugs, si vous voulez ceci, cela, et après vous commandez. Ça me soutient énormément. Et voilà, une fois que vous recevez les produits, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram. Je réponds tout le temps par un petit vocal. Merci beaucoup, nanana. Donc voilà, si ça peut vous faire plaisir en retour, bah voilà, moi ça me coûte rien et vous me soutenez énormément. Bon, bref. Du coup, il est où mon petit Nils là? Parce que c'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Alors, bon bah je sais pas, mais je lui ai donné rendez-vous de toute façon, je lui ai dit que... Ah bah tiens, il est là. Eh hey, Nils, mais ça va pas ça, l'assassin va. Mais qu'est-ce que... C'est quoi tout cet argent là? En fait, avec mon avion, je fais de la pub. Ah oui, comme sur les plages avec les banderoles publicitaires. Ah oui. Ah pas bête, pas bête. Ah tu t'es fait de l'argent, dis donc. Tiens, vas-y, ta part. Ah j'ai une part, bon bah c'est quoi cette part nulle là à côté de tous les billets que tu m'as montré? Ah bah c'est moi qui ai piloté hein. Ouais, bon. Écoute Nils, aujourd'hui c'est le grand jour, on en avait parlé Nils. On en avait parlé. Il faut que tu retrouves ta taille normale. Donc tu vas expliquer tout au docteur. Alors c'est pas le docteur Jean-Bernard Jean-Frédéric. Moi je pensais pas à ça hein. Comment ça? Moi je pensais à mon pistolet en or. Non mais d'où t'as ça toi? Mais t'es sérieux? De quoi tu parles? Mais les armes, c'est que pendant les... T'as pas le droit d'avoir ça sur toi normalement. Il faut pas l'avoir comme ça. C'est pas moi. Vas-y, confisqué, voilà, je le prends. Non. Super ce gun. Il est pas un peu lourd? C'est de l'or, hein. Ah bah, il est super beau en tout cas. Bon, Nils, juste il faut aller chercher Diego parce que maintenant j'ai plus envie de le laisser tout seul avec ce qui s'est passé récemment. Alors, les amis, regardez, il y a un magnifique plongeoir, tu nous feras une démo après. Et voilà, ici je voulais mettre un truc en mode DJ et tout, tu vois, qui puisse mixer en hauteur pour les gens qui sont en bas. Et finalement, eh bien, on a installé des plongeoirs et je trouve ça beaucoup mieux. Allez, on va aller chercher Diego, les amis, parce que comment il s'est fait capturer la seule fois où je l'avais pas sous les yeux, maintenant j'ai peur. Maintenant j'ai peur, les amis. Ah, Diego, comment ça va, Diego? Ça va, ça? Ouais, ça va, tranquille. Ah, ça fait plaisir de te voir. Les abonnés, je suis sûr, ils sont tout le temps en kiff. Tu sais que tu fais fondre le petit cœur des abonnés avec ta voix toute mignonne. Donc voilà, les amis, dites en commentaire si vous trouvez que Diego, il a une voix mignonne. C'est vrai que on a du mal à l'entendre parler des fois. Bah oui, il fait coucou. Et on a du mal à l'entendre parler des fois parce que je vous dis, sa voix, elle est pas au point. Il a eu du mal et tout. Mais... Mais voilà, le principal c'est qu'il puisse parler et que vous trouvez trop. Attends, mais Zerev, il a une plus grosse tête que moi. Ouais, j'ai l'impression, hein, il est peut-être plus intelligent aussi. Bon, il y a un ce docteur. Non, mais c'est nous, on va aller à lui. Et d'ailleurs, c'est pas comme j'allais te dire, c'est pas le docteur Jean-Bernard Jean-Frédéric Cazeneuve, c'est le docteur qui m'a fait. On va aller voir le docteur qui m'a fait grandir, vieillir et rajeunir tout ça là, c'est Dimitri, je sais plus quoi. Alors, fais gaffe, il est pas très. On dirait que c'est pas un vrai docteur. Vu comment il parle, il est toujours hésitant sur ce qu'il fait. On dirait qu'il est pas fait pour ça, tu vois. Mais ça a le mérite de marcher.
Quand je lui demande un truc, de me faire vieillir, de me faire rajeunir, de me faire grandir, de me faire rapetissir, ça marche. Donc à mon avis, ça va marcher pour toi. Psst, Tigre. Tigre. Quoi? Viens, viens, viens. Qu'est-ce que tu veux lui dire, toi? Rien. Allez, viens, on y va. Tu files ça si tu me donnes ton dessert ce soir, ok? Ok. Eh mais ils croient que je les entends pas ou quoi? Bon les amis, go, on y va. Alors si t'es pas lui en plein milieu de la route, c'est normal, c'est qu'on est en train de tester des nouveaux... Bah comme je vais être le maire de la ville, eh ben on est en train de tester des nouveaux designs de... Bah d'arbres qui sera autour, enfin, qui sera au bord des routes. Donc dites-moi ça, si ça vous plairait. Là on a testé sur une avenue, celle-là, là. Et voilà. Oui mais là l'arbre il est au milieu de la route, c'est... Oui mais c'est pour tester. Et là, regardez. Waouh. Tu vas voir, on va aller dans un endroit super... on va aller dans un espèce de laboratoire. Mais c'est... Ouais, et là ton usine de bananes. Là. Ouais, c'est la bananerie. C'est là où on fait des bananes. Voilà. Ça pousse pas sur les arbres les bananes. Bah si, mais en fait non, ça, t'as pas compris Nils. En fait, c'est pas là où on fait des bananes. J'ai un peu non. En fait, les bananes elles poussent dans les arbres, mais elles sont droites. Et en fait là c'est une... là la bananerie c'est pour cintrer les bananes. Tu sais, parce que les bananes, quand tu les manges, elles sont tordues, tu vois, elles sont en forme de croissant de lune. Ouais. Mais quand elles poussent sur les arbres, elles sont toutes droites. Ah. Et du coup, bah, l'usine, elle sert à cintrer les bananes. Du coup, je suis cintreur de bananes. Voilà. Elle sert à ça. T'as rien compris, Nils, mais bon, c'est pas grave. Bah, je sais ce que je pourrais dire à la maîtresse quand elle me demandera ce que tu fais. Quoi? Je pourrais savoir ce que tu dis à la maîtresse. Oui, c'est plus parler, moi. Vas-y, c'est pas grave. Ah oui, c'est quand tu veux expliquer mon métier à ta prof. Ouais. Ah oui, ok. Ouais, bah tu lui diras que je travaille dans une usine. Vas-y, on rentre. Oui, il fait danger. Oh, non, t'inquiète. Bonjour, comment bonjour. Ça va Bonjour, monsieur Moses, comment ça va? Ah, ça va, Dimitri, ça va. Bon, écoute, je viens pour un petit problème. Je sais que, bah, tu as... Ah, vous avez un deuxième enfant? Je savais pas. Ouais, c'est... Bah, je vous présente Nils. Ah, je suis né hier. Non, bah non, justement. Ah, ça explique la taille. Justement, Dimitri. Voilà, donc autant Diego, il avait des problèmes pour parler. Eh bien, Nils, lui, il a pas du tout le même âge que Diego, pourtant il fait la même taille. Tout simplement pourquoi? Eh bien, parce qu'il a jamais grandi. Et j'aimerais que vous le mettiez à sa taille d'enfant de son âge. Tout simplement. Normalement, c'est dans mes capacités de qu'attendre. Ouais, non, c'est bon, je peux vous faire ça normalement. Ok, bon bah nickel. Bon bah. Donc, rentrez dans le sas de sécurité et normalement tout se passera comme prévu. Vas-y, on rentre. N'appuie pas sur le bouton. Oui, il y a un petit accent. Hein. Oui, bah c'est Dimitri. Bah oui. Ok, allez, je te jure pas que je vais changer son look. J'ai rien compris, Diego. J'ai rien compris. Toujours pas changé son look. Son look. Ah oui, oui. Ok, c'est bon. Oh waouh. Wow. Mais... Ah, tu peux enlever ta combinaison. Oh purée. Mais il fait flipper lui. On aurait dit le monstre qu'il y avait monsieur, dans le. Ne vous inquiétez pas. Non mais attends. Monsieur, c'est mon disciple. Je lui apprends à comment. Je lui apprends mon métier, monsieur. Ah ok, c'est un futur collègue. Non mais ah oui, ok. Voilà. Ah mais il a pas de bras. Ah mais c'est quoi ces bras? Mais il est... Monsieur, c'est une expérience qui a mal tourné. Oh là 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 là. En fait, si, ils y sont, mais ceux, c'est un petit peu plus petit que d'habitude. Mais qu'est-ce que vous avez encore fait? Mais il n'aura pas sa vie, rassurez-moi, docteur. Non. Hein? Oh là là. Il tuera jamais pas sa vie. Non. Quoi? Si ça m'en fout, j'ai un peu peur. Non, mais t'inquiète, il est un peu, comme je t'ai dit, il est un peu bizarre, mais ça va passer. Bon, du coup, faites votre travail, moi je vous regarde, hein, j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc petit, je vais donc te poser quelques questions, faire 2-3 analyses pour pouvoir préparer ce que. On va dire un sort de médicament pour vous faire grandir. Ok. Donc déjà, j'aimerais savoir votre âge. Ah, j'ai bientôt 10 ans. Non, quoi que j'ai eu 10 ans il y a un mois. Ok. Donc attendez, donc 10 plus 2. Ok, bon, les amis, faites des calculs. Donc maintenant, vous pouvez rentrer dans. Rentrez, venez, suivez-moi. Donc rentrez dans cette machine, on va faire quelques analyses sur votre corps pour voir ce qui est problématique. Donc rajoute la capsaïcine, s'il te plaît, collègue. Moi, je rajoute la nitroglycérine. Donc si j'ai bien compris, vous allez lui créer un médicament spécialement pour lui. Exactement. En gros, on va lui poser quelques questions, certaines analyses pour faire un médicament qui
exactement pour lui, pour pas qu'il ait une grosse tête et un petit pied. Ok, d'accord, d'accord. Nickel. Et c'est quoi ça? Ok, oh là, les amis, ça vérifie l'HTML, s'il te... Tu peux vérifier l'HTML, s'il te plaît. Oh là là, le cauchemar, ça recommence. Ah, les amis, je me rappelais plus que c'était comme ça. Purée, mais ils sont même pas sûrs de leurs analyses, c'est quoi ça? Les amis, j'aurais pas dû l'emmener là, en fait. Attends, il y a des Nils, erreurs. T'inquiète. Vérifie les erreurs, va sur Internet, ça va te dire ce qu'il faut faire. Oh là là, oh, mais docteur, mais vous l'avez eu, vous avez votre diplôme dans une pochette surprise ou quoi? Non, non, c'était dans un Kinder surprise, monsieur. Non, monsieur, oh là là. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'était une surprise de ma mère qui m'avait inscrit dans... Ouais. Et vous avez quoi comme diplôme? Bah, je vous ai dit, j'avais un bac pro littéraire. Ah oui, un bac à sable plutôt, non? Enfin, un bac pro, là, c'est un bac à sable que vous avez... Oui. Vous amusez à faire des châteaux de sable, c'est tout. Non mais attendez, comment ça faut pas dire? Vous êtes en train d'examiner mon fils là. Soyez un peu. Mais ne dites pas, s'il a peur, il faut pas qu'il ait peur, monsieur. Ouais, mais quand même, faut pas qu'il ait peur. Mais je vous rappelle que votre cicatrice sur l'entièreté du visage, elle s'est limite aggravée depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et vous avez un collègue, vous lui avez rapetissé les bras. Regardez, il a des tout petits bras, on dirait un petit T-Rex. C'est normal. On dirait un T-Rex. En fait, je lui ai injecté de l'ADN de T-Rex, c'est normal. Donc c'est normal s'il a une queue qui pousse et des grandes dents aux incroyables. Ouais, c'est un dinosaure. Non mais vas-y, c'est un vrai dinosaure celui-là. Donc c'est bon, vous pouvez sortir, monsieur. Alors enfin. Hop. Attends, mais ça a rien changé là. Non, c'est monsieur, je vous ai dit, c'est des analyses pour vérifier son taux de capsaïcine dans le corps. D'accord, pardon, j'ai pas compris. Non, parce que moi, la dernière fois que je suis rentré dans cette machine, je suis devenu vieux, donc... je suis devenu un papy. C'est une machine multifonction, monsieur. D'accord, ok. Oh là, j'étais à Lidl. Donc, oh là là. Nils, je sais pas dans quoi je t'ai embarqué, mais j'espère que ça va fonctionner, parce que les mecs, ils regardent sur Internet, ils regardent sur Google, parce que quand ils connaissent pas des trucs, tu vois. Ils vont regarder sur des forums. Non, en plus, il y avait même tenu que les guerres dans le volcan, moi je dis. Il y a un lien. Non, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas forcément de lien. C'est peut-être des combinaisons. Ça se trouve, c'était une expérience ratée. Ah, peut-être, ouais. Mais à moins que c'est des combinaisons, d'autres combinaisons qui, tu sais, qui résistent à la radiation ou à des fortes chaleurs comme nous on avait, quoi. Ah, peut-être. Oh là là. Tu sais, c'est un truc plus commun qu'on pense, en fait. Ouais, il y a peut-être moyen. Peut-être moyen. Petit, juste votre nom commence par quelle lettre, s'il vous plaît? N. N, ok. Pourquoi il a besoin de ça? Une ville qui commence par N. Une ville européenne. Pourquoi il veut savoir ça? Je sais pas, mais je te dis, il fait des trucs bizarres. En fait, là, d'après ce que j'ai compris, en fonction de qui tu es, de quel âge tu as et tout, et de ta taille, il va te faire un médicament qui va te faire grandir à ta taille normale. En fait. Il veut vraiment signe astrologique aussi pendant qu'on est. C'est bon, tu peux mettre la norvégicine dans. Oh là là. La norvégicine. Je sais pas, il a trouvé un truc en N parce que tu t'appelles Nils et tout. Mais t'inquiète, franchement, je sais pas comment il fait, mais je te jure que ça marche. À chaque fois qu'il fait une expérience. Enfin, il a fait une expérience sur moi. J'ai bien de croire, mais en même temps, c'est très compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est quoi ça? Oh là là, collègue, mais t'es sérieux, t'as supprimé le diagramme, mais. Oh là. Va falloir tout refaire. Oh non. Oh non. Non, mais j'ai pas envie de rester 25 000 ans ici, hein, docteur. Mais monsieur, vous inquiétez pas, on a fait une backup. Ok. Oh là là, j'ai pas envie d'être irradié. Attends, je vais essayer un truc. Vas-y. Attends. Il est où votre collègue? Ah, dites du coup, mais vu que vous avez de la tête de dinosaure, vous pouvez faire un cri de dinosaure? Oh là. Ok, ça marche pas très bien. Ouais, non, mais il a dit que c'était une expérience ratée. Oui, bah. Là, on aurait dit Diego qu'on est égorgé. Waouh, le pauvre Diego. J'espère que ça va jamais arriver. Qu'est-ce qu'il y a, Diego? C'est beau, bah, c'est merci, c'est gentil, hein. Bah, c'est Nils, hein. Bon alors, le collègue là, il peut arrêter de s'agiter dans tous les sens, c'était pas une spaghetti mon ref. Mais arrête de faire le guignol là. C'est quoi ce gros bouton rouge avec écrit stop dessus? Non, n'appuie pas. c'est déjà assez compliqué. Si tu veux garder une tête normale là. Eh, c'est déjà assez compliqué les expériences comme ça, Nils, il va pas falloir, voilà. Bon les amis, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus là. Dépêche-toi collègue là, oh là là, il est en train de ramper sous la machine. Ah mais c'est une catastrophe. Oui.
Ok, collègue, il n'y a plus qu'à vérifier le décélérateur de particules et normalement... Ils vont m'accélérer les particules. Okay. Non, ils vont... je sais pas ce qu'ils vont t'accélérer, peut-être ta croissance, mais... J'espère que ça va être ça en tout cas. Ok, entre les particules et la croissance. Ok, donc normalement... Hop. Je sais pas, normalement ils sont censés te faire un médicament, donc je comprends pas ce qui... C'est beau, le médicament va sortir d'ici normalement. Ok, ok. Ah, ah bah c'est beau, il est là. Donc, petit Nils, tu peux venir là. Petit Nils. Tu vas devenir grand, petit, Nils. J'ai 10 ans, ok. Voilà. Donc ça, donc il faut que tu manges. Donc tu manges une fois et après que tu pourras revenir, je t'en donnerai, il faudra manger. Non, heureusement que j'ai pris ma bouteille d'eau Evian. Ouais, voilà. Va dans la machine au cas où parce que j'ai pas envie que d'avoir des effets secondaires moi. On sait jamais. Donc faire un câlin. Non. C'est normal que qu'il se passe rien, c'est ça va passer doucement. Donc, ah oui, bah c'est une pilule. Regarde papa, je suis en prison. Une dépressurisation. Tu vas aller dans le RP prison. Bon allez, la dépression. Tu fais une dépression. Okay. Tu fais une dépression, Nils. Oh là là, les amis, c'est n'importe quoi. Je crois. Bah ça a pas marché. Les effets vont arriver petit à petit, c'est normal. Petit à petit et bientôt. Donnez-lui plus de cachet. Donnez-lui plus de cachet. Vous en voulez plus? Ah ouais, il faut que ça marche. Oh, de sa tête, elle a. Hein? T'as pas un peu mal à la tête, Nils? Non. Bon, donnez-lui plus de cachet, ça va grandir plus vite là. Oh. Attends. Oh les amis. Oh les amis, sa tête elle a grandi. J'ai un peu mal à la tête là. Ah, il y a juste ta tête qui a grandi. Ah ouais. Donc mange plus de cachet. Mange avant le repas, avant et après chaque repas. Okay. Vas-y, mange. Ouais, au pire, si je les prends tous en même temps, c'est pas grave. Prends tout en même temps. On est plus à ça. Oui, près. Prenez tout en même temps. J'adore ces docteurs. Ok, alors les amis, est-ce que ça fait un effet? Oh mais ça, tu grandis petit à petit, Nils. C'est vrai? Ouais. Attends, t'as grandi un peu du corps, je crois. Hein? Ça marche, ça marche. Et là, du coup, il aura la taille d'un. Je me sens quand même un peu lourd. Bah normal, tu passes de quelqu'un qui a 10 ans dans un corps de 1 an à 10 ans dans un corps de 10 ans. Ok, oh purée, ça marche les amis. Mettez un max de pouces bleus. J'ai l'impression que je vais tomber. Tu vas tomber? Ah ouais, bah va falloir. Tu vas avoir le vertige là. Tu vas avoir le vertige. J'ai l'impression que mes jambes sont toutes faibles. Oui, bah pense aux bras du collègue là qui sont tout petits. Oh là là. Ah mais hey, docteur, vous pouvez lui donner des médicaments pour faire grandir ses bras lui. Ça va peut-être fonctionner. Bah j'espère, mais en fait il va falloir que je lui extrais l'ADN de T-Rex d'abord. Ah oui, d'accord. Ah ouais, sinon il va dans 2 jours, c'est un vrai dinosaure. Waouh, sa tête. Mais qu'est-ce que... Oh là là. Donnez-lui un calmant, faites quelque chose. Viens vite, Nils, rentrez dans la machine, il va falloir faire une pression. Enfin, peut-être pas dépression. Ouais, sa tête est dedans, pas passer. Il va falloir une grosse pression. Il va falloir pressuriser toute la machine là. Oh là là. Allez, mettez-moi de la pression. Oh, il faut que sa tête dégonfle. C'est en train de pressuriser. Dégonfler sa tête. Oh là 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 là. Oh, c'est bon. Puis c'est pas bon, très stable vos médicaments là. Et attendez, mais son corps il est bien. Je vais pas dire, mais il a peut-être mangé tous les médicaments d'un coup. Mais attends, elle est encore hyper grosse ta tête, Nils. C'est un effet secondaire, c'est ça? Oh, c'est bon. Oh, bah c'est bon en vrai, t'as une taille normale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, il est plus grand que toi, mais normal, il est plus grand en âge aussi. Oh, mais maintenant il grossit du ventre. Remettez-le dans la machine. Ça c'est Burger King hier, t'inquiète pas. Non, mais remettez-le dans la machine, c'est pas le Burger King. Oh là là, ok. Bah purée, les amis, en fait, c'est quoi, ça j'en fait comme ça. J'ai parti pour qui augmente aléatoirement, c'est ça? Non mais normalement ça a l'air d'être bon là. Ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce que vous en pensez d'après vos analyses? Est-ce que c'est la taille de quelqu'un qui a 10 ans? Pour moi oui hein. C'est censé oui pour regardez. Moi. Regardez. Attendez, je me mets à côté de Nils et Nils tu te mets à côté de moi et Diego tu te mets à côté de Nils pour voir. Ok. Ah mais arrête de faire le guignol Nils. Mais quoi? C'est quoi ta barbe là? J'ai de la barbe? Oui. Arrête de faire le guignol, je sais que je te fous de ma gueule. Eh ben franchement, regardez les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'expérience elle a fonctionné. Hein. Faudra voir plus tard au fur et à mesure des mois et des années si Nils tu continues de grandir. Là pour l'instant, t'arrives presque en haut de mon épaule, ça se joue à quelques millimètres quoi.
Mais on verra si un jour tu dépasses mon épaule et tout, ça veut dire que bah ta croissance sera bien augmentée. Mais purée, mais il y a vraiment des effets secondaires sur vos médicaments. Attendez, je vais sortir deux trois petits médicaments qui vont réguler, ça s'appelle des régulatorines. Ouais, bah il faut lui donner parce que Nils, je sais pas si tu te rends compte, mais tes jambes elles grandissent. Ouais, j'ai vu ça. Ok. Mangez ça et normalement ça va calmer tous ces effets. Ok, nickel. Oh là là, mais en vrai. Oh, en vrai, je me sens mieux là. Si votre expérience elle a fonctionné et qu'il grandit normalement, vous avez réglé la maladie de Nils, hein, vraiment. Donc les abonnés pourront vous féliciter déjà. Moi j'applaudis. Franchement, chapeau. Moi, j'applaudis pas, mais tiens, prends ça, ça me fait plaisir. Oh, ah bah oui, mais il se fait beaucoup d'argent avec les banderoles publicitaires. Oh là là. Bah merci beaucoup. Toi, je t'ai dit, ignorance de ton dessert ce soir. Comment ça? C'est quoi cette histoire de dessert là? Rien. Bon, bah merci beaucoup, Dimitri. Merci beaucoup, Collect T-Rex. Nous, on y va, hein. Merci pour le. Oh là. Allez. C'est toujours pas au point. Hein. C'est toujours pas au point. Je verrai ça qui. Ok. Allez, bon. Au revoir, monsieur. Au revoir. Oh, les amis. Alors, ça te fait bizarre? Un peu. Eh, mais franchement, moi, je te trouve beaucoup mieux comme ça. Hein. T'as vraiment. Contre... Pour moi, t'as vraiment. Si les amis. Tu vois, vous voyez, Nils, il a pas grandi depuis le début que je fais des vidéos avec lui. Bah, franchement, je trouve que là, il a la taille de son âge. Franchement, oh, c'est. Je pensais à un truc. T'es presque ado et tout. Ah. Voilà quoi. J'ai pensé à deux trucs. C'est que déjà de 1, ils ont fait grandir ma jambe robot. Ouais. Ils pourraient la faire pousser, tu penses? Ta jambe normale, tu veux dire? Oui. Il y a moyen, mais ça, faut voir dans une autre vidéo, je pense. Ouais. Faudrait voir. Ou peut-être hors vidéo, mais voilà. Mais tu sais, avec le docteur Dimitri, on sait jamais, hein, il peut. Quoi qu'en vrai, non, en vrai, j'aime bien ma jambe robot. Je voudrais juste mettre un pantalon dessus et des chaussures, puis c'est bon, c'est discret. Ouais, en vrai, tu peux faire ça en vrai. Comme ça, tu caches tous les fils et tout, et c'est parfait. Mais hey, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en penserez là? On se met en ligne, mettez-vous en ligne du plus grand au plus petit. Hey, qu'est-ce que vous en pensez de faire un petit t-shirt comme ça, où on est genre Oxymose le grand, le moyen Nils et le petit Diego? Franchement, ça pourrait rendre trop bien, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça rendrait super bien sur des t-shirts. Voilà. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez si vous commanderez des petits produits de la boutique avec Nils, Diego et moi. Et voilà. Bon, franchement, c'était une super vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc en commentaire, vous mettez le mot que vous voulez. Et voilà, il n'y a pas de mot de la vidéo là. C'est pour la fin de la vidéo, c'est vous mettez le mot que vous voulez. Et vous mettez, surtout, vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. La moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, je vous rappelle. Bah voilà, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, je sors des vidéos tous les jours. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao.